Restez avec nous, la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis abrite demain la rencontre amicale entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Mésopotamie de l'Irak dans le cadre des journées de la Fédération internationale de football association. Près de 300 infirmiers et sages-femmes ont pris l'engagement d'améliorer les soins de santé, surtout maternelle et infantile, à l'occasion de la tenue de leur troisième journée scientifique dominée par la volonté de réhabiliter leur profession. Les relations entre Kinshasa et Bruxelles sont dans un état tourné vers l'amélioration à la lumière de la promesse faite par le ministre belge de la Jeunesse de voir la communauté française de la Belgique s'investir dans l'amélioration du social des travailleurs congolais. Bienvenue à tous. Avant de développer l'ossature de cette édition du journal, retenez, des ordonnances ont été signées hier par le chef de l'État sur la mise en place des mandataires dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Il s'agit de la STP, de l'OCC, de Congo Airways et de la SOCIR. Je disais que le ministre belge de la Jeunesse s'est déclaré hier disposé à faire intervenir la communauté française de son pays dans l'avancement du social des travailleurs congolais à l'issue de ses entretiens ici à Kinshasa avec le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. On parlait notamment il y a un protocole d'accord entre la communauté française et la République démocratique du Congo. On travaille beaucoup sur la prévention et donc je suis venu m'entretenir avec Monsieur le ministre de toutes ces questions très très importantes pour nous et de voir la meilleure manière dont la communauté française peut être aux côtés de la République démocratique du Congo pour avancer avec tous les travailleurs sociaux, avec tout ce qui se fait au niveau de... social ici à Kinshasa. Je trouve que c'est très bien. Et donc voilà, la communauté française est un partenaire fiable et c'est un grand ami de la République du Congo. Dans le cadre de la promotion des institutions d'appui à la démocratie, la Commission nationale des droits de l'homme pourra être opérationnelle d'ici peu si l'on prend en compte le contenu des entretiens d'hier entre le comité d'accompagnement de cette commission et le président de l'Assemblée nationale. La chambre basse du Parlement prendra comme critère de désignation les compétences et équilibres provinciaux. C'est l'une des matières inscrites dans le calendrier de cette session de mars à l'Assemblée nationale. L'installation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement y tient et a rencontré ce jeudi le comité d'accompagnement de la CNDH. Le bureau de l'Assemblée nationale s'implique donc pour la désignation rapide des 9 membres de cette institution. Les critères dans la désignation sont clairs. Nous avons harmonisé quant aux appréhensions qui étaient nourries de gauche à droite. Nous avons harmonisé quant à la procédure et quant à la notion de représentativité au niveau national. La décision du bureau de l'Assemblée nationale ne pouvait que rencontrer un écho favorable auprès des concernés. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale, donc à l'Assemblée nationale, de prendre toutes les dispositions, de tirer les 9 candidatures dans les 20 noms qu'on leur a donnés. Dans notre composant, nous avons présenté 3 personnes. Parmi les 3, nous espérons qu'il y en aura un qui va représenter parce que nous avons droit à un poste au niveau de la Commission des droits de l'homme. Toutes les provinces, y compris le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Katanga, sont représentées au niveau de candidature. Un nouveau code minier sera d'application après l'adoption de son projet au Parlement, un texte voulu attractif afin d'attirer davantage des investisseurs dans un contexte de baisse des cours des minerais confrontés au déficit énergétique. C'est en substance l'objet de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Du code minier aux finances publiques, des stratégies pouvant permettre à la population congolaise d'avoir un accès facile aux services bancaires et de disposer des informations nécessaires. Sur ces services ressort des conclusions d'une étude initiée par le ministère des Finances et présentée hier. Seuls 12% de la population congolaise ont accès aux services bancaires. Les 88 autres ne disposent ni d'informations nécessaires sur ces services, ni les moyens d'y accéder. Ces conclusions sont le résultat de l'enquête menée sur 3 mois, soit de mai à juillet 2014 par Finmap Trust. L'initiateur de ces études, le ministère des Finances, veut par ce recherche permettre au gouvernement de la RDC
de bien cerner les indices de la croissance inclusive pour assurer le bien au profit de la population congolaise. L'objectif principal de cette enquête est de disponibiliser des données probantes susceptibles d'aider à étendre la portée des services financiers sur toute l'étendue de notre pays. Grâce à ces informations, il sera possible à l'État et aux bailleurs de fonds de mettre en œuvre des politiques susceptibles de promouvoir le processus de l'accessibilité de nos populations aux services financiers, d'identification des barrières à l'usage des produits et services financiers. À en croire le directeur de l'information et recherche de ce centre d'études, le processus MAP va booster les stratégies d'accès facile et rapide aux services de la microfinance et agricole en milieu rural. Les femmes, les jeunes, les personnes vulnérables doivent être intégrées et prendre leur part pour briser les cercles vicieux de la pauvreté chronique, ce qui conduira à terme le pays sur la voie d'une nation émergente. Cette démarche est jugée capitale pour la RDC, pays qui s'est engagé dans le redressement de l'économie pour viser l'émergence. Des étudiants membres du club journaliste pour les droits humains des 5 institutions universitaires de Kinshasa ont pris part hier à la journée d'information sur la contribution de la Cour pénale internationale et la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Les clubs JDH-RDC et la CPI ont apprécié la participation. Nous visons à travers cette action, à travers cette journée, à partager, à mener les actions, les différentes responsables, les différents acteurs de la lutte contre l'impunité dans notre pays, les acteurs des droits de l'homme, à partager les idées, à partager les notions, les informations avec les étudiants. Parce que les étudiants sont l'avenir de demain, comme on l'a dit. J'ai répondu à beaucoup de questions. Ah oui, l'intérêt était là. La République démocratique du Congo a vécu quand même des années difficiles, avec des crimes très graves qui se commettent encore malheureusement à l'Est. Et donc oui, les membres des clubs de JDH sont intéressés de voir comment la Cour pénale internationale contribue contre la lutte des crimes graves. Ces étudiants ont reconnu avoir assimilé de nouvelles matières qu'ils vont transmettre à leurs camarades. On les écoute. On nous a élucidé le rôle de la CPI. Je pense que chacun des participants est sorti avec une capacité cognitive aussi riche que ça. À travers M. Paul Madidi, on a un peu essayé de comprendre pourquoi il y a la durée des procès. Et nous allons aussi, de notre part, expliquer les autres qui ne se sont pas présentés. Quand j'étais ignorante, j'ai eu à apprendre beaucoup de notions, l'origine de la CPI, son objectif et son but d'ailleurs même. Et je crois que j'ai appris beaucoup dans cette conférence. On ne savait pas quel est le rôle réellement de la CPI, quand est-ce que la CPI peut s'ingérer dans les affaires d'un État. On a bien compris cela. Dans le monde médiatique, toujours l'hebdomadaire Les Finances a été suspendu hier durant 20 jours pour faute professionnelle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication lors de sa 32e session des plénières et le quotidien. L'observateur a été mis en garde. Guilain Kabalundi pour les précisions. Réuni ce jeudi en plénière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a examiné plusieurs dossiers de régulation, au nombre desquels une plainte venant de la RTNC contre le journal Les Finances. Nous avons donc décidé de suspendre le journal Les Finances pour une période de 20 jours parce que nous avons relevé vraiment des irresponsabilités dans le chef du directeur de publication de ce journal. Autre plainte adressée à l'organe régulateur, c'est celle de la faculté de pharmacie de l'université de Kinshasa, accusée dans un article publié dans le quotidien L'Observateur d'attribuer aux étudiants des points sexuellement transmissibles. Nous avons également décidé d'adresser une observation au journal L'Observateur par rapport à un article publié concernant les points sexuellement transmissibles qui seraient pratiqués à la faculté de la pharmacie de l'université de Kinshasa. C'est un article inventé
des pures pièces parce que le journaliste ne s'est pas donné la peine d'aller consulter le doyen de la faculté de la pharmacie, de la faculté de la pharmacie. S'agissant du recours introduit par la télévision Molière TV pour son émission Yababola, les conseils jugent recevables ces documents, mais non fondés. Enfin, le CESAC a annoncé qu'il devra très bientôt soumettre le rapport de ses activités au Parlement. Regagnant Kinshasa, où s'est tenue hier la troisième journée scientifique des infirmiers et sages-femmes de la RDC avec la participation de près de 300 professionnels qui ont débattu de la problématique de la réhabilitation de leur profession afin d'améliorer la qualité des soins, surtout ceux dispensés aux femmes et aux enfants. Quelle formation pour les infirmiers et sages-femmes en RDC, supérieurs techniques ou universitaires professionnels? Cette troisième journée scientifique des infirmiers et sages-femmes de la RDC avait un thème non seulement interrogatoire, mais plutôt interpellateur. Il faudrait que les experts justement se prononcent cette question-là. C'est le sens même de la réflexion. Au-delà de cela, ce dont le pays a besoin, c'est d'avoir un personnel soignant qui soit de qualité, qui soit compétent. Une troisième journée organisée par l'Institut supérieur en sciences infirmières, près de 300 infirmiers et sages-femmes de la RDC ont échangé avec des experts venus de l'étranger. Le but est d'améliorer la qualité de travail de ces professionnels de santé. Si on a une loi pour les sages-femmes ou les infirmières anciennes ou mises à niveau, sans que l'on voit quel est le personnel dont on a besoin au pays, on va encadrer un professionnel qui ne donnera pas nécessairement les soins dont la population a besoin. Selon plusieurs données, les sages-femmes et infirmiers de la RDC ne reçoivent pas une formation au standard international. Particulièrement au niveau de la formation tout d'abord, avant d'être un problème sur le terrain. Parce que si la formation était biaisée, le reste ce n'est qu'une conséquence. La troisième journée scientifique a eu lieu grâce à l'appui technique et financier des plusieurs partenaires dont l'UNFPA, l'UNESCO et la coopération japonaise. Offre d'emploi à la jeunesse féminine, 15 filles désœuvrées vont être formées en coupe et couture durant 4 mois grâce au partenariat entre Vlisco Congo et Isitam dans le cadre du programme Vlisco Taylor Academy à Kinshasa. La cérémonie officielle du lancement et la signature du protocole entre les parties sont intervenues hier. Ces 15 jeunes filles pétillantes le sont pour une bonne cause. Elles font partie du Vlisco Taylor Academy lancé ce jour à Kinshasa. Un partenariat scellé entre Vlisco Congo et l'ISETAM pour la formation spécialisée en coupe et couture. Ce programme permettra à ces jeunes filles, désœuvrées pour la plupart, d'élever leur niveau de technicité et de finition, leur passion pour la couture aux standards internationaux. Nous avons commencé à Goma, nous sommes venus à Kinshasa. En fait, Vlisco va aller là où nos activités se développent. Logiquement, il serait logique qu'il y ait des couturières au niveau de Vlisco et qu'elles soient basées là où nous développons nos activités. Ces jeunes filles sélectionnées sur des critères Vlisco, sur 65 au départ, bénéficieront d'une formation de 4 mois dans cet institut supérieur spécialisé dans la couture. Une fierté pour son directeur général. Le fait que Vlisco ait pensé à ce programme-là, d'une formation spécialisée de coupe et couture, mais eux sont à un niveau supérieur parce qu'ils sont alignés aux standards internationaux. Donc ça profite à nos étudiants, ça améliore leur expertise en coupe et couture et ça leur permet d'être compétitifs sur le marché. Un rêve pour ces candidates que Vlisco tâche de réaliser grâce à ce programme Taylor Academy qui fait déjà ses preuves au Ghana et à Goma dans l'est de la RDC. L'année dernière, nous avons parlé de oser rêver et cette année-ci, nous demandons, nous incitons la femme à vivre son rêve. Ici, nous avons vu dans le regard des jeunes apprenants, des jeunes candidates, un rêve qu'elles ont eu. Elles avaient osé rêver et aujourd'hui, ce rêve commence à se concrétiser, à prendre forme. Vous n'imaginez pas la joie que ces femmes, ces jeunes apprenantes ont eue. Et je suis d'autant plus heureuse d'avoir suscité cette joie-là dans le regard, dans le cœur de ces jeunes femmes. Après la cérémonie officielle de la signature du protocole d'accord entre Vlisco et Isetam, les convives ont eu droit à une visite guidée des installations de ce grand centre de formation.